Bienvenue dans votre émission, il est minuit et euh, soyez euh, bénis en Yeshua, restez bénis en Yeshua, je dirais plutôt parce que nous sommes déjà bénis en lui selon les écritures. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens, Adonai Elohenu, El Shaddai Elohim, nous voulons Seigneur ce soir te dire merci pour ta parole qui nous purifie. Conduis-nous, Seigneur, durant cette émission. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Voilà, mes amis, merci en tout cas pour euh, votre présence. Que le Seigneur soit béni pour euh, tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, pour euh, l'assistance de son Esprit. Son Esprit nous assiste tous les jours dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos manquements. Ce soir, comme vous le savez, je voudrais parler... Grâce au Seigneur de la divinité de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le fait que Jésus-Christ est Dieu, n'en déplaise aux autres, aux uns, euh, voilà, il est Dieu. Et puis c'est tout. Nous le croyons. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Père d'éternité, le Père éternel. Les Écritures le disent clairement. Donc, il est notre Père, notre Créateur. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes sans plus tarder dans... Luc chapitre 1. Et euh, nous lirons à partir du verset euh, 67. Luc chapitre 1 à partir du verset 67. Alors le thème le thème de ce soir c'est Jésus le Dieu d'Israël devenu homme. Voilà. Donc euh, il est dit à partir du verset 67, alors Zacharie son père, donc le père de Jean-Baptiste, bien sûr, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui l'a visité et, n'est-ce pas, accompli la rédemption de son peuple. Alors, vous allez me dire, mais où c'est écrit ça Oui, c'est écrit en fait dans le grec. Donc, euh, si on lit ici dans le français, ça donne euh, de ceux qui l'ont visité et délivré son peuple et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours. Voilà, donc on s'arrête sur les versets 67 et 68. et, et surtout surtout le verset 68. Béni soit le Seigneur. Alors ici, qui parle Bien sûr, c'est Zacharie le père de Jean-Baptiste, le prophète. Zacharie était, selon les Écritures, Lévite. C'était un prêtre, un sacrificateur. Donc c'est quelqu'un qui avait la connaissance aussi des Écritures, parce que les prêtres enseignaient les Écritures, enseignaient la loi, selon Malachi. Et euh, les prêtres étaient ces personnes qui allaient devant le Seigneur pour exposer les problèmes du peuple. Et Zacharie, quand l'ange Gabriel va lui parler pendant qu'il exerçait son service dans le temple, il va douter de cette parole annonçant justement la naissance de leur enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, car Zacharie, sa femme, Elisabeth, était stérile. Et Gabriel lui dira que parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui euh, s'accomplissent en leur temps. Étant donné que je me tiens devant Dieu, eh ben tu ne parleras plus pendant quelque temps. Tu seras muet. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les neuf mois de la grossesse de sa femme. Zacharie était devenu muet. Et à la naissance de l'enfant, sa langue va être déliée. Et les Écritures nous disent ici qu'il va justement être rempli du Saint Esprit il va se mettre à prophétiser rempli du saint-esprit ce même esprit qui avait rendu grosse marie pour donner naissance à jésus-christ notre-seigneur et sauveur ce même esprit va remplir zacharie et ce même esprit selon un pire indice est celui qui habitait les prophètes d'avant la grâce, les prophètes euh, juifs qui ont prophétisé sur la naissance, le service, la mort et la résurrection de Yeshua, de Jésus-Christ. Donc en fait, Zacharie était rempli de l'Esprit de Jésus, tout simplement. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus ne parle que de Jésus. Le Seigneur l'a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voyez bien que la, le personnage euh, central des Écritures, c'est Yeshua, comme vous le savez, mes amis. Alors, nous allons nous attarder sur euh, le verset 60, 68 de Luc, chapitre 1 Qu'est-ce que l'on comprend ici? Zacharie, qui était euh, prêtre, parle du Seigneur, et dans la tête de Zacharie, quand il, quand il parle du Seigneur ici, il fait allusion à Adonai. Adonai. Et Adonai, chez les Hébreux, n'était autre que Yahweh. Yahweh, le tétragramme, les quatre lettres que compose hein, le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Plus de 6500 mentions ou occurrences, tout ça, là. de ce mot-là dans les Écritures. Yahweh, l'Éternel. Yah, 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 Yahweh ou Yahvé, tout ça. Là. Donc vous voyez. Zacharie dit que, en fait, il bénit Adonai, premièrement. Deuxièmement, il dit que Adonai, c'est-à-dire Elo Elohim, Elohim, Adonai Elohim d'Israël. Adonai est le Dieu d'Israël. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'Adonai va faire? Eh bien, Adonai, Zacharie a béni Adonai parce que Adonai a visité son peuple. Donc, c'est Adonai lui-même qui a visité son peuple. Vous voyez Donc, mes amis, quand on va visiter quelqu'un, on va soi-même. Hein? Donc, quand vous allez rendre visite à quelqu'un, ben vous y allez vous-même. Donc, celui qui a visité son peuple, c'est Adonai. Voyez, donc on commence à comprendre un tout petit peu là. Nous allons quelque part parce que vous savez nous nous n'avons pas d'autre évangile que Jésus-Christ le Nazarien et Jésus-Christ seul. Nous ne sommes pas là pour vous parler de bâtiments euh, qu'on appelle l'église, non. Oui, on peut en acheter pour euh, nous organiser, pour euh, former les gens, mais nous ne sommes pas là pour vous parler de la prospérité financière parce que c'est pas ça l'évangile. Nous ne sommes pas là pour vous parler de nous en vous disant suivez-nous, c'est pas ça notre évangile. Nous ne sommes pas là pour vous recommander les églises, comme vous le savez. Non, ce n'est pas cela, notre évangile. Nous sommes là pour vous présenter quelqu'un qui peut vous sauver, qui est tout pour nous, pour vous. Et Zacharie, qui est rempli de l'Esprit, va parler justement de lui, parce que Jésus-Christ disait, quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Donc Zacharie, rempli de l'Esprit, il n'a pas parlé de l'argent. Il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé de son ministère. Il n'a pas fait l'apologie de son ministère, pourtant c'était un ministre de Dieu. Il n'a pas parlé de ses voyages, de ses. Il a parlé d'Adonai. Il a dit béni soit Adonai, qui est Elohim d'Israël. Et ensuite, il dit Adonai a visité son peuple. Mais pas seulement visité. Parce que quand Dieu visite son peuple, cette visite a toujours un but. Vous voyez, allons voir dans le lexique biblique Nous sommes toujours dans Luc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pourquoi Pourquoi il a béni Dieu Pourquoi Parce que eh bien, il a visité son peuple. Mais je vous disais que quand on visite quelqu'un, on vient toujours avec des cadeaux. Et allons voir de ceux qu'il a visité son peuple et racheter. On va cliquer sur racheter. En fait, racheter, c'est un rachat ou encore une rédemption. C'est aussi une délivrance, mais spécifiquement une délivrance de la faute du péché être délivré du péché littéralement. Donc, en fait, on revient en arrière. Zacharie bénit Dieu, le Dieu d'Israël, parce que, en visitant son peuple, il apportait, il accomplissait sa rédemption. Or, la rédemption, c'est quoi? Écoutez très bien, on en, a, on en a déjà parlé plusieurs fois. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'une rançon. Or, ne peut, ne pouvait payer la rançon d'une personne qu'une autre personne qui était de sa propre famille. C'est pour cela, Adonai, pour pouvoir nous délivrer du péché. Eh bien, il a dû devenir le ma un membre de notre famille, c'est-à-dire la famille humaine. Donc celui qui est devenu homme, ce n'est pas le Dieu-Fils, comme les trinitaires l'enseignent, mais c'est Dieu Tout-Puissant lui-même, le Tout-Puissant. On va le voir, mes amis. C'est le, le Très-Haut, c'est-à-dire elle est El lion. Vous vous rendez compte ici, là Zacharie, rempli de l'Esprit, et non des doctrines impies sortant, euh, sorties de Babylone, de l'Égypte, telles que la Trinité. Rempli de l'esprit, il est en train de parler du Dieu très haut, le Dieu d'Israël, qui est, qui a visité son peuple, donc les Juifs, pour payer leur rançon. C'est pour cela qu'il fallait qu'ils soit aussi Juifs comme eux. C'est pour cela qu'on l'a appelé le roi des Juifs. C'est pour cela qu'il fallait qu'il prenne une identité juive. C'est pour cela qu'on l'appelle Yeshua de Nazareth. Et Nazareth, c'est en Israël. Il fallait prouver sa judaïté. Sa judaïté également. Le fait qu'il était de la tribu, d'une des tribus d'Israël, pour prétendre être le payeur de rançon. Oh, hallelujah. mes amis. Donc celui qui est venu payer la rançon, là, c'est Adonai. C'est écrit, hein? C'est Adonai. Celui qui est venu payer la rançon, c'est le Très-Haut, lui-même, c'est-à-dire El-Elyon. Celui qui est venu payer le, la, 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 la rançon, là, mes amis, pour nous racheter d'abord les Hébreux, c'est, mes amis, Elohim lui-même. C'est pour cela, dans Esaïe 35, 4, il disait, je viendrai moi-même. Le prophète disait de Elohim, Elohim, il viendra lui-même, Yahweh viendra lui-même. Regardez, nous continuons la lecture, regardez bien. Donc, en nous visitant, en visitant son peuple, il a apporté un cadeau. Et ce cadeau s'appelle le sang le sang c'est pour cela Paul dans acte 20 28 il dit pesez le troupeau de Dieu en parlant aux anciens sur lequel Dieu vous a hein, pour, pour lequel euh, Dieu vous a établi évêque. » pour paître l'Église du Dieu vivant qu'il a acquise par son propre sang. C'est le sang de Dieu qui a été versé pour que toi et moi, nous soyons acquis, que nous devenions sa propriété et non plus la propriété de nos familles, des démons, des sorciers, tout cela, ou des gens qui veulent nous diriger dans nos familles, nous imposer leur vision, tout cela parce qu'ils sont au-dessus de nous. Non, nous sommes la propriété de Dieu. Celui qui nous dirige d'abord, c'est Dieu. Ce ne sont pas les traditions familiales. Ce n'est pas parce que quelqu'un est l'aîné de la famille qui doit maintenant commencer à donner des ordres à tout le monde. Non! Nous ne sommes plus de cette lignée-là. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne suivons plus les coutumes et les traditions des hommes. Non! C'est ça l'évangile. C'est pour cela, que Jacob a dû prendre même le droit des naisses. parce que, il <laughs> y a des choses qui doivent être enseignées correctement aux chrétiens pour, pour qu'ils sortent des traditions d'hommes. Parce que ce sont des traditions qui sont basées sur le péché. Or, Dieu est venu nous libérer du péché, justement. Alléluia. Frère, écoutez bien. Dieu nous a visités. Celui qui t'a visité, qui a visité les Hébreux, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un deuxième Dieu, celui de la Trinité. Celui qui est devenu homme, là. n'est pas. Frère, écoutez bien. Ce n'est pas. Il y en a qui pensent que c'est Dieu le Fils seulement. Hein, Dieu le Fils. Ils ont inventé une expression, Dieu le Fils. Dieu le Père serait resté au ciel et Dieu le Fils est venu pour hein, nous libérer. Mais quelle confusion. Moi, les Écritures nous disent ici que c'est le Très-Haut, c'est Adonai qui est venu, c'est Elohim qui est venu, c'est le Dieu d'Israël qui est venu lui-même pour payer la rançon. Or, oh, pour payer la rançon chez les Hébreux, il fallait être de la même famille que les gens, n'est-ce ben, pas, pour, les, pour lesquels... On, paye, on payait cette rançon là. rappelez-vous bien, rappelez-vous bien, rappelez-vous bien de l'histoire de, de ruth hein, et boaz. ruth, pour être grand-mère grand de david, parce qu'elle est, est devenue la grand-mère de david, pour faire partie d'israël de la lignée du messie, il, il aurait fallu que boaz l'épouse, parce qu'il était de la famille de du mari de Ruth qui était décédé. Donc voyez mes amis, donc Dieu est devenu semblable aux hommes. Quel Dieu Dieu le Fils C'est Dieu tout court, tout court parce qu'il n'y en a qu'un. C'est Adonai. Donc Jésus est Adonai. Donc Jésus est le Très-Haut. Allons voir plus loin. Allons voir plus loin. Regardez, nous descendons encore, nous descendons. Et, euh, et regardez. Et euh, au verset 71, si je ne me trompe pas, 71. Et euh, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et nous sommes. Euh, et euh, plus loin. Et verset 76. Zacharie parle. Hein? Maintenant, il parle sur son propre fils, sur Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit Et toi, petit enfant. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, donc Adonai, pour préparer ses voies. Attends, 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 attends. Zacharie rempli de l'esprit dit à Jean-Baptiste son fils qu'il allait être appelé le prophète du Très-Haut. Zacharie était juif, donc si on parle ici l'hébreu, on comprend pas parler parlait l'hébreu. Zacharie dit à Jean-Baptiste son, son fils qu'il allait être appelé le prophète de El-Elion, le Très-Haut, et pour préparer la voie du Très-Haut. Or, Jésus est le Très-Haut. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a préparé le, le chemin du Seigneur. voyez Allons voir, mes amis, dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Regardez le verset 3. La voix de celui qui crie au désert est, préparer le chemin de qui Le chemin de Yahweh. Aplanissez parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Ben oui, Yahweh est Dieu. Et la voix qui crie dans le désert, c'est qui Eh ben c'est Jean-Baptiste. Allons voir dans Jean chapitre 1. Oh, Jésus est trop fort. Jésus est notre Dieu, mes amis. Vous devez connaître votre Dieu, véritablement. Nous descendons. Au verset, verset 6. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour témoigner, pour rendre, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Voyez, mes amis. On continue à descendre. On continue à descendre, on descend encore. Jean, verset 15, a donc rendu témoignage de lui et s'est écrié en disant, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Pourtant, sur le plan humain, Jésus-Christ était, n'est-ce pas, jeune, par rapport plus jeune que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus-Christ de six mois. Mais il dit que Jésus l'a précédé, qu'il était avant lui. On continue. Il dit au verset, et à euh, 16 et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean dit que nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de qui De Jésus-Christ. Grâce, hein, pour grâce. Donc il présente Yeshua comme n'est-ce pas celui qui a la plénitude. Comme le Dieu de grâce. On continue plus loin au verset et à euh, 19. Et c'est ici le témoignage de Jean. Moi, je préfère le témoignage de Jean que le témoignage de théologiens, des pères de l'église, qui étaient des philosophes pour la plupart. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour l'interroger et lui dire « Toi, qui es-tu » Il confessa et ne le nia pas. Il déclara en disant « Ce n'est pas moi qui suis le Christ. » Et ils demandèrent « Quoi donc Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dirent « Donc, qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, Esaïe 43. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le Seigneur ici dans Esaïe, c'est Yahweh. Comme Esaïe a dit, hein? comme Esaïe, le prophète a dit, hein? l'a dit. Donc, voyez mes amis, Jean se réclame d'Ésaïe des, des, des 40. Et il est venu préparer le chemin de Yahushua notre seigneur. Donc Jésus est Yahweh, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de celui qui a un tout petit peu d'intelligence spirituelle n'a aucune difficulté à... difficulté à faire une corrélation entre Yahweh et Yeshua, entre Yahweh et Jésus, entre Yahweh et Lorim et Yeshua. Celui qui est venu nous racheter, c'est Yahweh lui-même. Et Yahweh, c'est Yeshua. Yeshua c'est Yahweh et Yasha. Yahweh et salut. Il est le Dieu tout-puissant. Voilà, mes amis, il est le Dieu tout-puissant et on continue on revient encore dans Luc là-bas. Dans Luc, on revient dans Luc. Chapitre 1. Mon objectif c'est de vous présenter votre Dieu pour que, nous, pour que vous quittiez l'idolâtrie. Le verset 71, 72. C'est ainsi qu'il manifesta hein, qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Voilà. Et, euh, et on continue, verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Prophète du Très-Haut. Un prophète, c'est celui qui parle, qui révèle Dieu aux hommes. Or, oh, Jean a révélé Jésus-Christ aux hommes. Voici l'agneau de Dieu. On continue. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Donc, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Or, le Seigneur, c'est Adon, Adon, Adonai, Yeshua. On continue afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de, de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jean Zacharie présente Yeshua non seulement comme le Dieu qui a payé la rançon pour nous, donc pour payer la rançon, il, faut, il fallait devenir comme les gens pour lesquels on payait la rançon, donc il est devenu comme nous, humains. Autre chose, il est présenté comme le très haut, c'est-à-dire, El Elion, celui qui s'est révélé, n'est-ce pas, à Abraham par Melchizedek dans Genèse 14, le dieu très haut. Il a présenté également, Jésus-Christ ici, comme le soleil levant. Ça veut dire quoi, le soleil levant ici, là? Le soleil levant, c'est-à-dire le soleil de l'Est. C'est vrai que le soleil se lève à l'Est pour se coucher à l'Ouest. Voyez? Alors, regardez bien. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Donc, le soleil levant, Jésus, avait pour mission de nous éclairer, nous qui étions dans l'ombre, hein, dans les ténèbres. Et c'est ce que Matthieu 4 dit. C'est ce que Ésaïe 61 dit. Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Oh, Seigneur. C'est ce que Ésaïe 9 dit que le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Et c'est ce que Matthieu 4 dit également. Quand Christ, Yeshua, a commencé à prêcher son évangile, les écritures nous disent que la lumière est arrivée. C'est ce que Jean 1 nous dit. Au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Cette parole était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. ou saisi, frères et sœurs, cette lumière qui était dans Genèse 1. La lumière apparaît que la lumière apparaisse et la lumière apparue. Et Dieu est notre lumière. Les Écritures le disent. Yeshua est notre lumière. Donc un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul sauveur. Frères et sœurs, donc on nous présente ici Yeshua comme le soleil, le vent. Nous sommes dans Psaume 84. Oh Seigneur, sauve-nous, 84, verset 11. Nous allons voir si Dieu est présenté dans les Écritures comme le soleil, effectivement. Allons voir. Regardez, psaume 84, verset 11. Et le euh, 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 verset 12. Car Yahweh Dieu est un soleil et un bouclier. Yahweh donne la grâce et la gloire, et il refuse aucun et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Les Écritures présentent Dieu comme le soleil. Wow, mes amis. Mais c'est Yahweh qui est le soleil levant qui nous a visités. Vous cherchez quel Dieu encore en dehors de Yahushua? Quel Dieu encore? Jésus est le Dieu Tout-Puissant, et c'est le message que nous voulons propager partout. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, le seul véritable Dieu. Alors, il y a des gens qui cherchent à prêcher sur Dieu. Comment voulez-vous prêcher sur quelqu'un qui ne vous a même pas appelé? Comment vous voulez prêcher sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas? Frère, c'est pas de l'orgueil. Frère et sœur, je dis que Dieu me connaît. Je le dis. Paul dit dans 1, 2 Timothée 2.12, Il dit, je connais celui en qui j'ai cru. Donc, je peux dire que je connais celui qui m'a appelé. Parce que quand il m'a appelé, il m'a appelé par mon nom. Voyez? Tout ce qui se passe là, qui peut faire ça? Nous sommes partis en Côte d'Ivoire, plus de 200 baptêmes. Qui peut faire ça? Nous sommes partis là-bas, plus de, les sorciers se levaient pour confesser la sorcellerie. Qui peut faire ça? Moi? Non. je ne, je ne suis pour rien. Rien. Je suis rien, je ne suis rien, je suis euh, zéro euh, avec mes failles, mes défauts. Mais c'est l'œuvre du Seigneur qui peut vous convaincre comme ça là, vous qui êtes enfant de Dieu, qui peut convaincre les chrétiens à soutenir financièrement l'œuvre comme ça, au point où en moins de deux ans, on a pu grâce au Seigneur récolter aujourd'hui plus de 212 000 euros, je crois si je ne me trompe pas, au point où il ne reste pas grand chose là par rapport à l'achat hein, du 26, du bâtiment du 26 pour notre centre de formation Didasco. Alors qu'il y en a qui donnaient déjà, euh, qui prophétisaient déjà la, la mort de ce centre, parce que c'était eux qui amenaient l'équilibre, soi-disant, alors que c'est plutôt eux qui bloquaient les, la bénédiction. Mmh. Des charnels que Dieu n'a pas appelés, que Dieu ne connaît même pas, mmh. les équilibristes, qui essayent de se. qui s'étouffent avec les ministères de YouTube. Hein il faut des séminaires, il n'y a, a personne, il faut des coalitions, il n'y a personne. Mais moi je suis seul sur la montagne, mais avec Yahweh. Regardez tout ce que Dieu fait. C'est pas de l'orgueil, c'est le mont Carmel chrétien. C'est ça le message, voilà. Nous ne sommes pas là en train de tourner autour du pot. Il y en a qui essayent. Nous, nous n'essayons pas. Nous là, nous sommes nés dedans. Voyez, dans la marmite du Saint Esprit. On est, on a été plongé dedans. Donc ça coule de source parce que le Maître est là. Voilà. Si nous avons cette bouche pour parler, c'est parce que nous savons que Dieu est là. Sinon, on serait déjà mort depuis par la sorcellerie. Voilà. Les ministères des canapés, ils sont assis là, mes amis, depuis des années. Ils ne bougent pas. Les ministères des canapés, ils n'affrontent pas les sorciers. Allez affronter les sorciers. Nous voulons que vous, vous voient appeler les sorciers pour qu'ils viennent se convertir. C'est trop facile, les ministères de YouTube. Aujourd'hui, tout le monde parle sur YouTube. Tout le monde fait les YouTube. Tout le monde YouTube. Tout le monde YouTube. C'est facile, ça. Aujourd'hui, avec la connexion de Internet, là, c'est gratuit pratiquement. On ne paye pas grand chose. Alors, tout le monde a la page YouTube. Tout le monde a un centre de formation. Tout le monde. C'est la confusion totale. Même des gamins qui portent des couches spirituelles, ils commencent à vouloir parler. Hein, des gens à qui on a donné deux ou trois versets bibliques. Maintenant, ils ont le, le crâne rempli de versets parce qu'ils ont appris l'hébreu, le, le grec à gauche, rapidement ici et là, en, en lisant dans, 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 sur Internet. C'est la confusion généralisée. Et ils, ne, ils veulent parler de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent parler de quelqu'un qui ne les a pas appelés. Hein? Paul défendait son apostolat. Voilà. Vous avez prié pour qui Qui a été délivré véritablement là Vous avez peur des démons c'est la confusion généralisée. Nous sommes dans un temps où il y a de tout sur YouTube. Il y a de, y a de tout. Des gens qui font l'ordination des, des femmes avec de l'huile sur la langue. Des gens qui, qui couchent avec des femmes. Des gens qui font n'importe quoi sur YouTube. Aujourd'hui, sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux. Des gens qui ont dénoncé les réseaux. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux avec les photos de leurs femmes. C'est la confusion généralisée parce qu'ils ne sont pas appelés. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas appelé, il va chercher votre numéro pour vous appeler, pour venir chez vous. Les vrais appelés ne vont pas vous appeler, ils vont se cacher. Ce sont les, les, les frères et sœurs qui les cherchent. Vous avez vu Jésus-Christ courir chez les gens Vous avez vu Jésus-Christ se dire à Zaché de monter sur cette, cet arbre-là C'est Zaché lui-même qui, qui a grimpé sur l'arbre. Les vrais enfants de Dieu ne cherchent pas la responsabilité. Ils se, ils se, ils se cachent, Dieu les mandate. C'est la confusion. C'est pour cela que n'importe qui vient et se permet de parler de Dieu en disant que Jésus-Christ n'est pas, pas Dieu, hein, qu'il est une créature soi-disant, hein, qu'il n'est pas le Père, qu'il n'est pas si, qu'il n'est pas ça. Vous avez fait quel ministère, quel service, qui vous a appelé, qui vous a mandaté C'est YouTube Si on ferme Internet, s'il n'y a, a plus YouTube là, beaucoup ne vont plus faire l'œuvre. Voilà. On a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul message que la Parole, que les Écritures nous, nous présentent. Il n'y a pas d'autre message. Voilà. Vous faites des séminaires, à la fin vous dites il y aura une collation, on va boire, on va manger, tout ça pour attirer les gens. Voyez, mais il n'y a pas ici à Paris en France, en Europe, il y a la nourriture à gogo. Hein vous n'allez pas tromper les gens. Il y a les restos du cœur là, ils peuvent aller se servir gratuitement, donc ils n'ont pas besoin de vos séminaires sur YouTube pour venir manger. C'est l'onction qui fait la différence. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Il n'y a aucune goutte d'onction sur vous. Vous prêchez, c'est comme les prêtres catholiques. Même le pape a plus d'onction que vous. C'est ça votre problème Et quand on n'a pas l'onction, on va attaquer ceux qui ont l'onction, ceux qui, ceux qui sont accompagnés par le Seigneur. Parce que vous n'avez aucune goutte d'onction. Vous parlez, les gens dorment. C'est ça votre problème hum C'est ça Pour avoir un peu plus de vue, il faut attaquer Shora. Ça, c'est connu, ça. Vous êtes morts, des arbres morts, déracinés, comme Jude le dit, deux fois morts, aucun fruit. Voilà. Et regardez les fruits que Dieu me fait porter, grâce au Saint-Esprit. Voilà. C'est ça la différence. Sur le plan spirituel, Dieu touche les gens, les gens sont guéris, délivrés. Sur le plan physique, il y a des frères et sœurs qui sont formés dans le monde entier. Tout, tout ça, c'est grâce à Jésus. C'est ça la lumière, le soleil levant, c'est-à-dire le soleil qui se lève. C'est ça Jésus. Il ne s'est pas levé. Pour vous, là, votre Jésus, il dort, il, dort, il ronfle. C'est le Jésus catholique. Voilà, mon Jésus, il est debout, c'est le soleil levant, c'est un soleil qui se lève. Votre soleil, là, c'est la lune qui, qui essaie de prendre le, la lumière du soleil pour essayer d'éclairer la nuit, mais ça n'éclaire pas véritablement la nuit. Voilà, c'est ça le problème, frères et sœurs, je reviens en force encore, je vous dis, on va parler encore bien comme il faut, plus, plus qu'avant. Parce que les âmes sont, sont de plus en plus, mes amis, éclairées et les gens, on a besoin de l'évangile véritable. C'est ça le message voilà, vous êtes des pasteurs, vous vous associez avec des pasteurs impies, avec des gens qui ont essayé de diriger des églises et ça s'est cassé, maintenant on dit que c'est à cause de Chora, tout ça là. Vous avez des problèmes de dettes dans vos bâtiments d'église, tout ça là, toujours vous n'avez pas pu payer vos loyers, vos propriétaires vous cherchent aujourd'hui pour payer vos arrières de loyers, tout ça là, et vous osez parler, vous voulez faire l'œuvre, vous êtes des faux, des faux frères, des imitateurs, des impies, voilà. Vous devez changer le message. Vous devez retourner. Vous devez vous inscrire au Pôle Emploi pour travailler normalement comme maçon, comme charpentier, tout ça là, comme euh, je ne sais pas, comme commerçant, tout ça là. Vous devez arrêter de prêcher parce que vous n'êtes pas appelé. Voilà. Et j'encourage tous les défenseurs de la Sainte Doctrine de pouvoir se lever et annoncer. Le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est Dieu, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ceux qui portent des couches spirituelles et qui veulent parler, on va, on va, on va, je n'ai pas le temps pour pouvoir m'occuper de ces gens-là parce qu'on a plus de, de, de charges aujourd'hui. On va leur donner, on va, on va demander même pas à mes enfants dans la foi, parce qu'ils sont, ils sont plus intelligents que ces gens-là. On va envoyer les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, qui vont pouvoir les corriger, les aider, pour les, les ramener un peu à la raison. Parce qu'ils sont possédés. Voilà, frère. Voilà le message que Dieu vous garde. Bonne continuation, Jésus est Dieu, il est le soleil le vent. qu'il vous garde au nom de Joshua, et que tous ces bishops, ces faux pasteurs qui sont autour des présidents, qui les envoûtent, qui leur donnent de fausses prophéties, où on voit le peuple être manipulé, des âmes sont brisées, des enfants violés, tous ces faux pasteurs là qui fêtent leurs anniversaires sur YouTube, tout ça là, tous ces apôtres de malheur, ces, ces prophètes de malheur, ces impudiques, ces coureurs de femmes. Si un pasteur, un prophète fête son anniversaire là, il n'est pas avec Dieu. Vous avez vu Jésus-Christ fait son anniversaire Hein ces chantres, ces musiciens congolais qui dansent, ou africains ou européens qui dansent sur leur sur YouTube, tout ça, ils font leurs anniversaires. Quelle confusion aujourd'hui. Prêchez-nous Jésus. Parlez-nous de celui qui peut sauver. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Arrêtez de distraire les gens. Voilà. Les ministères de YouTube. Avec des coalitions là, charnelles, des Hérode et de pilates. On veut voir Jésus à l'œuvre. Voilà. Les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, on, ils voient clairement. Ils ont le discernement. Ils savent qui est faux et qui est vrai. Voilà, on reconnaît un arbre à ce fruit. Notre message, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, mes amis. Nos commandes n'est pas charnel, Frères, chrétiens, défendez la vérité. Défendez la, divin... défendez la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, mes amis. On vous donne le rendez-vous ce samedi. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.